Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous êtes architecte, vous êtes technicien, donc l'homme de métier, nous avons besoin de vous après notre deuxième culte. J'ai besoin de vous rencontrer. Vous êtes architecte, peintre, donc l'homme de métier dans le bâtiment. Donc nous nous retrouvons après notre deuxième culte. Alléluia. Totem Mbisika Dozali, s'il vous plaît. Deuxième culte, Nabiso et Bandi. Nasengi na mutu non so avandi a telema, s'il vous plaît. Merci Jésus. Tsotsomboli kombo na yo. 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 Lokola bendele na likolo. Biso tsotsomboli kombo na yo. Attends au sangue ma bota, tombola comme Jésus. Oh oui, nous élevons ton nom plus haut. Son nom plus haut.
qui sabi kele kele. Kembo 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 kuna na lela e. Kembo aleluya. Ah kembo 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 e cosa la na lela e. Kembo aleluya. Na mo yembela e aleluya. Kembo aleluya. Aleluya. Kembo aleluya. Oh kuna e aleluya. Kembo aleluya. Aleluya. Hey. Kembo. Salana lola e kembo 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 kuna na lola e kembo oyembela e aleluya kembo aleluya aleluya kembo aleluya osola e aleluya 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 kembo aleluya apoya to embela yawe. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Peteli kolo maboko makasi makasi makasi. Eh to répondre ma place na biso. Presse. Alléluia. Les consoles ont un témoignage que bon bayangote bande ko belé pas la poste encore un point de contact. Kené na coin un témoignage comme combo na yo. Bien-aimés, si vous avez un témoignage, allez-y au coin de témoignage, vous allez vous enregistrer et très bientôt, on va vous appeler pour témoigner. Au nom de Jésus, maître de l'Église, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre culte de briser les barrières invisibles. Nous sommes arrivés à notre moment d'appel à l'adoration. Nous ouvrons nos Bibles. Dans psaume 125. Dans psaume 125. Nous allons lire au verset 1er jusqu'au verset 5e. Psaume 125. Du 1er au 5e verset. Le verset 1 jusqu'au verset 5. D'une manière alternative. Le papa va lire et ensuite nous l'église, nous allons lire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion et ne chancèlent point. Elle est affermie pour toujours. Verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lois des Juifs, afin que les justes n'étendent pas les mains vers l'iniquité. Verset 4. Éternel, répand des bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Donc, répandre verset 1, 2, 3. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermée pour toujours. Et qu'on a le témoignage dans la mission, la commune à Jésus. Ça sera ton témoignage dans le nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Lèvons-nous, s'il vous plaît, et nous appelons la chorale pour l'hymne. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, et nous disons présent au milieu de nous, nous t'élévons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, nous disons présent. Au milieu de nous t'élévons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Nos louanges, nous t'invitons. Viens
Jésus prend la place du roi. Oh Jésus, Jésus, nous te couronnons. S'il vous plaît. Praise the Lord. Praise the living God. Ce matin, c'est notre moment d'explication personnelle. C'est le moment où nous allons partir devant le Très-Haut avec nos problèmes et nos besoins ce matin. Et ce dimanche est un dimanche spécial. Il y a un moment où nous avons explication personnelle dans le Mukanda, il y a Jérémie chapitre 32, verset 27. L'Éternel dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Il n'y a-t-il quelque chose de difficile pour moi? Non. Yangwana na tongwa lelo okozo position nyonso omoneza malamu mais se rassurer et oza liboso na Nzambe oyebisaye posa ya motema na na tongwa lelo tobondeli. Bien-aimés à la rassurer et aux obondela. Oezali moment okoyebisa Nzambe situation na yo.
Peu importe degré à situation, peu importe degré à l'ikambozo traversé, à l'obi, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de difficile pour moi? Je suis le Dieu de toute chair. Problème wana ni neza makasi ozo lo kilayo. Yebi sanzambe na tongo alelo. Zala sir et ozo bondela. Bien-aimé, à l'obina, Proverbe 3, 27. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Si tu as la capacité de lui donner ce qu'il demande. Ce que vous assurez est un zambé. Après, si vous posez un mot, madame, à ton alélo, tellement bisous aux amis, banda ko tondaye. Banda ko kumisaye, pour apesio réponse na likambona yo. Apesio e yanona situation na yo na tongo alelo. A yebi si alobi, ko yebi sa te voisin na yo, a kendepe a zonga lobi. Soki ozana makoki a kopesa yo, o azana ngo posa. Bosenga na yo, eske nzamba apesio na tongo alelo. Yangwana tukumisaye, yangwana netolaye, sanjolaye. Merci Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fortement l'Éternel si vous a exaucé et reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Tout souhaité bisounion son boye bola mon culte au entrée prophétique. Nous souhaitons la bienvenue dans notre culte d'entrée prophétique. Pézali journée d'alliance et à briser ou vaincre les batailles invisibles. Mais notre journée d'alliance de briser les batailles invisibles. Attends, allélo, c'est le temps des annonces. Et comme il t'engomme à Ebisi, tu as cabané au Naboké, Binkolo, Akoué. Avec beaucoup plus d'intérêt. Annonce à Liboso et à lui semaine un renforcement spirituel. Tu es baillé tes semaines au yo, tu es baillé tes semaines au Zako Bande, cause à la semaine, Nabiso et un renforcement spirituel. Mokolo ya. Rosalana Mayangani Mokolo ya mercredi 5 kino vendredi 7 juin 2024 to kozalana jeune pe prier pe to koya ko fungula yango de 17h à 19h juste nanzela ya table ya communion to invité batu ebele. Notons que la semaine qui débute c'est notre semaine de renforcement spirituel. Cette semaine sera notre semaine de renforcement spirituel. Nous aurons le culte de mercredi 5 au vendredi 7 juin 2024. Nous serons en jeûne et prière et nous viendrons rompre la jeûne avec la Sainte Cène de 17h à 19h. Invitons beaucoup de gens. Deux cours de fondement chrétien. Lobby lundi 3 juin 2024 à partir de 17h. Tokozala anetonga na cours ya fondement et chrétien pour na bato union so baye sikato oyemba la liboso na chapelle de vainqueur pe union so ko yamba yesu lokola nkolo pe mobiki si pe ba union so balekana nou nete loana te esengami na bino boya lobby à partir ya 17h wana ko ya kobosa na te ko mema bible na yo kae pe stilo pe na suka certificat moko ekopesa milayo. Demain lundi 3 juin 2024 à partir de 17h juste, il y aura ici à l'église le cours de fondement chrétien pour tous les nouveaux venus, tous les nouveaux convertis, ainsi que tous ceux-là qui ne sont jamais passés par cette classe. En venant, n'oubliez pas d'apporter votre Bible, cahier et stylo. 3 évangélisations. Tozalana évangélisation ya etonga mobimba mokolo ya samedi to tozalaka na évangélisation etonga mobimba mokolo ya samedi immédiatement après heure d'alliance ya prière to eba été pona département évangélisation bango babimaka à partir ya 8h juste. Nous avons évangélisation en masse chaque samedi après l'heure d'alliance des prières et pour le département de l'évangélisation c'est à 8h juste. 4 bookshops. Et on a encouragé les membres de l'Union à visiter la librairie Nabiso, place
ba titre ya ba livre ebele ya commission oyo ezali exposé tokoki kozwa yango po esunga biso na komatisa kondima na biso tokoki kozwa yango pe na prix moko ya muke po na komaximiser saison oyo ya récolte na ba témoignage ebele to noté te ba maputa ya chilo ezali pe disponible kuna pe etonga eza ko informer pe ba membre nyonso ete ba carnet ya dîme ezali disponible na secrétariat to le kato joa kopi moko po na kocha na misala alliance pe nzambe akozanga te ko visiter biso 4 bookshop. Nous encourageons tous les membres à visiter notre librairie. Il y a plusieurs titres des livres de notre commission qui sont exposés à la table des littératures qui pourraient vous aider à grandir dans la foi. Nous pouvons nous en procurer à un bon prix, maximiser cette saison des récoltes des témoignages. Notez aussi que les pains sont disponibles. L'Église informe aussi à tous les membres que les carnets des dîmes sont disponibles au secrétariat. Passez prendre votre copie tout en appliquant l'alliance de Dieu et ne manquera pas à vous visiter. Bonne nouvelle. Sangomalamu. Institut biblique parole de foi oye bengam na mukuse IBPF na branche na yango ya Barumbu ezali ko fungola ba porte na yango po na session spéciale ya mois ya juin 2024 to ba ete ouverture to programme wana eko banda mokolo ya le 10 juin à partir ya 15h juste to ba ete to kozala na 2 semaines ya malakisi ya makasi na ba enseignant o ba pakwama mafuta to ba ete programme toza na premier niveau ezali BCC deuxième niveau LCC sur ce esengam na moto nyonso aleka moto nyonso na no azui formulaire na yete aleka na mesa ya babuku po azwa formulaire na yete toyo pe moto zwa ki formulaire le kape kuna po ozongi sa formulaire wana. Bonne nouvelle, l'Institut biblique parole de foi dans sa branche de Barumbu annonce l'ouverture de ses portes pour la session spéciale du mois de juin 2024. La session d'ouverture est prévue pour les 10 juin à 15h. Ça sera un programme de 2 semaines. Bonne nouvelle. Est-ce que ma jeune Bazakati Netonga? Je suis jeune. Ba jeune nazo kabinoté, je suis jeune. Jeunesse vivante. Toi ba été ministère ya jeunesse vivante ya chapelle de vainqueur international Barumbu, eza ko organiser mo bangé na excursion oyekosa le mabongo le 29 juin 2024 wane kozala na Picasso Beach. Toi ba été ba programme programme ekozala to kozala na football nzango cache et d'autres jeux oyo to ko découvrir sur place kuna to ba ete tempo na excursion na ezali elenge sepela kati na nkolo to ba lisusu ete bonne nouvelle pona excursion oyo ezali ete billet comité lobby ezali ya ofele kaka soki ofuti $15 na yo donc soko futi $15 pona yo billet ekomi ya ofele to le kapé na table ya babuku to somba ba batch na biso oyo ezali wana pona ba information mususu to kutana na comité ya excursion wana ba kopesa biso ba sango mususu. La jeunesse nous informe que ce 28 juin, nous aurons notre excursion au Picasso Beach. Au programme, nous aurons le foot, nzango, pédalo, tampoli, cash et bien d'autres. Le thème de notre excursion est « Jeune, réjouis-toi dans le Seigneur ». Notez bien, le billet s'élève à $15 et le badge à 1000 francs seulement sur « Hâtez-vous de vous en procurer ». Cet département ya interprète ezako senga na moto nyonso alingi ko sale na nzambe na département wana a se faire enregistrer na après deuxième culte au na secrétariat olobaka anglais olobaka lingala le ka na secrétariat et église pour se faire enregistrer. C'est le département des interprètes demande à tous ceux qui veulent servir Dieu dans ces départements de vouloir se faire enregistrer après le deuxième culte au secrétariat. Vous parlez l'anglais, vous interprétez en lingala, nous vous attendons.
Oui, tu noté que opération sauvetage et banda qui déjà pe mon longue union soit azali encouragé à komema à moko chaque dimanche pe to e baete ezali na obéissance ya liloba ke biso to joa ezali na obéissance ya liloba nde to joa ka ba récompense na biso. Oui, notez que l'opération sauvetage a débuté et chaque vainqueur et encouragé à amener une âme chaque dimanche. C'est dans l'obéissance de cette parole que se trouve notre compassion. Neuf sommets à leadership. Tu es baillé le samedi 8 juin 2024. Tu es allé à sommet à revêtement et à puissance. Et c'est un ami qui pasteur, qui est ouvrier ordonné, ministre, qui est cellule, assistant, secrétaire, membre, qui est organe statutaire, leader à département, va prendre part à sommet. Wana. Pe moto nyonso pe azali encouragé ya konere nzambe na présence na ye na somé wana. Tu es baye te somé ko zala diffusé en direct ya Canon Land à partir ya 7h. 9. Sommet de leadership pour les revêtements de puissance de juin 2024. Aura lieu ce samedi 8 juin 2024. Tous les pasteurs, tous les ouvriers ordonnés, tous les ministres de cellule, tous les assistants, les secrétaires, les membres des organes statutaires, tous les leaders des départements devraient être présents. Toutes les personnes entendues devraient s'efforcer d'honorer Dieu par leur présence dans ces services prophétiques. Le sommet sera diffusé en direct sur toutes nos stations missionnaires à travers le monde, 7h du matin. Encore une fois, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Sangomalamu. Bonne nouvelle, au Italie, culto ya bénédiction nuptiale. Moninga Bali. C'est Pela. Toi, ba ete mokolo ya le 22 juin 2024, à partir ya 10h, tozala awana culto ya bénédiction nuptiale. Pe toi, ba ete bandeko, oyo ba remplir ba condition nyonso, oyo etonga esengi bangopo ba pambulama awa. Ezali bongo ndeko ebombelo mbenga Clovis Serchi Lembanda la Debora tobeteli kolo maboko makasi. Acclamons pour le Seigneur, nous aurons bénédiction nuptiale dans cette église le 22 juin. Toi ba ete bandeko wana ko présenter bango pate mais photo na ezali na valve awa na suka culte okokende na valve otina ba so ki ezali na eloko moko to problème moko ekoki ko empêcher etonga epambola libala na bango ole alopeto na calme résident pour au soumettre problème wana mais so ki likambozalite ko yape kokosa likambute so ki likambozate yaka mokolo ya le 22 juin poto yemba pe to célébrer na bandeko elongo. Encore une fois, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Sangomalamu, sangomalamu. Dimanche prochain, 9 juin 2024, et koza la culte nabiso ya communion miracle. Tu es baye tes programmes et ça qu'on s'est présenté le lenge boye, culte à liboso bandaka de 7h à 9h et koza la culte français. Pe deuxième service de 9h10 à 11h10 et koza la culte ya français pe à lingala. Par conséquent, toi invité, et belé abatou baninga nabiso, collègue libota, pe bande konabiso, bazaka nabiso, nzinga nzinga. Bonne nouvelle, le dimanche prochain 9 juin sera notre culte des communions miracles. Notre programme se présente comme suit. Le premier culte de 7h à 9h en français et le second culte de 9h10 à 11h10 en français lingala. Par conséquent, nous sommes appelés à inviter beaucoup de gens, nos amis, collègues, familles et voisins. Jésus-Christ est Seigneur, acclamons pour la gloire de Dieu. Praise the Lord. Le temps de témoignage. Toiko bianga na etumbelo oyo mama na biso dia connaisse la joie mosombito esika oyo azali koya wana azali koya tobeteli kolo na biso Yesu Masia maboko makasi kolemba na kobeta maboko te pona makambo na nkamwa oyo nkolo azali kosala kaskati na biso mama la joie mosombito okotala etonga likambo ezalaki nini yo salaki nini na bokuse bonso. Praise the Lord.
Nazo pambola nzambe na biso oyo atambola na biso na mois de mai ndenge balobaki ke mon secours est arrivé. Ya solo ezaki mukolo ya mardi petit frère langa esengelaki azonga na voyage. A voyagé ngata na lamuki na tongo na 5h40 na kiti na yoki voa moko yebisinga ke Roger sale accident. Maman la telemi na bandi ko déclarer na bi Roger ko sale accident te akokufa pété. Na déclarer na sisi na bongami na ke musala e komba 10h ayeko benga nga yebisinga ke yaya to raté crash avion. Habitant ba koma na Paris po esi akene na ville afandaka. Avion mboule zalaki bazalaki na likolo pilote azomona piste atterrissage te azomona piste atterrissage azalaki obligé à tourner pendant 30 minutes na likolo atuna moni ça ne va pas signaler bato asa bibo sala nyoso ka par tous les moyens to kitaka rande nzamba sunga iba kitaki akomi malarme on a eko pamba to beteli esimasi ya maboko makasi. Praise the Lord. Continuez à acclamer le Seigneur notre Dieu. C'est pour moi un privilège de nous lire l'épître envoyée par l'apôtre sur cette commission de libération adressée à toutes les stations de mission. Objet cible prophétique de juin 2024. Salutations de la fortune 2024 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que Dieu s'est révélé à chacun de nous comme notre secours tout au long du mois de mai à travers diverses rencontres avec les divers ministères du Saint-Esprit. De plus, nous avons tous été équipés de la connaissance de comment garantir l'aide de notre secours, ce qui nous permettra d'accéder aux dimensions de la fortune cette année. À Dieu seul soit toute la gloire. Mais que dit l'Esprit du Seigneur pour le mois de juin 2024? D'après les Écritures, nous comprenons que la destinée n'est pas définie par ce qui arrive aux croyants, mais par un agenda de prédestination bien défini pour les rachetés. Cette destinée bien définie comprend, premièrement, une destinée glorieuse, deuxièmement, une destinée enviable, troisièmement, une destinée qui donne le ton, quatrièmement, un destin triomphant, cinquièmement, une sainte destinée, sixièmement, un destin. Oui, nous allons reprendre même le verset biblique lié à tout ça. Cette destinée bien définie comprend une destinée glorieuse. Romains 8, 29, 30, 2 Pierre 1, 3. Une destinée enviable. Genèse 26, 12, 14, Galates 4, 28. Une destinée qui donne le ton. Luc 5, 26. 1 Corinthiens 2, 9, un destin triomphant, 1 Jean 5, 4, 2 Corinthiens 2, 14, une sainte destinée, Éphésiens 1, 3, 5, 1 Pierre 1, 15 à 17, un destin royal, Genèse 17, 4 à 7, Apocalypse 5, 10, un destin au sommet des montagnes, Deutéronome 28, 1 et 13, Matthieu 5, 14. Mais la Bible est la gardienne de la destinée de chaque croyant. Josué 1, 8, Esaïe 29, 1, 12, Matthieu 7, 24 à 25. Mais qu'y a-t-il dans la parole qui garantit notre destinée colorée en Christ? La lumière divine qui permet aux croyants de dominer ce monde de ténèbres. Psaume 113, 119, 130, Jean 1, 5 à 9.
Les percées surnaturelles, Deutéronome 28, 1, 12, 1 à 2, Psaume 119, 130, Esaïe 60, 1 à 3, et puis 22. La sagesse de Dieu qui intronise, Proverbe 8, 15, 16, Luc 11, 49, Matthieu 7, 24, 25. Une joie indescriptible qui soutient l'accès à la révélation, Jérémie 15, 16, 1 Pierre 1, 8, Esaïe 12, 3. La direction divine qui engendre des percées imparables, Psaume 119, 105, Esaïe 48, 21, Psaume 23, 1 à 6. La paix divine qui fait que Dieu prenne le relais sur nos combats, Exode 14, 13 à 14, Philippiens 4, 6 à 7, 2 Corinthiens, 2 Chroniques 20, 17, 22 et 24, et beaucoup plus. D'après les Écritures, nous comprenons qu'une famine de la parole est la porte d'entrée vers un monde de frustration. Amos 8, 11, 14, Jean 11, 9 à 10. Alors que la révélation est la clé d'un monde de percées surnaturelles. La révélation appliquée est ce que garantit la délivrance. Esaïe 60, 1 à 3, Jean 21, 5 à 6. Pour cette raison, chacun de nous devrait continuer à prier pour que Dieu ouvre les yeux de notre intelligence sur sa parole et nous fasse grâce à nous engager dans l'obéissance de la foi afin de tirer le meilleur parti de notre aventure dans le royaume. Psaume 119, verset 18, Colossiens 1, 9, Esaïe 60, 1 à 3. Par conséquent, la cible prophétique pour le mois de juin 2024 est « Je suis un enfant de la destinée, je ne vivrai pas comme un destitué. » Nous pouvons acclamer le Seigneur. Et nous allons reprendre cela ensemble. « Je suis un enfant de la destinée, je ne vivrai pas comme un destitué. » Test de base, Romains 8, 29 à 30. Les livres recommandés du mois écrits par les prophètes comprennent la force de la liberté, le pouvoir de la parole pour le retournement, suivre le chemin de l'aigle, Satan va-t'en, né pour vaincre. Restez toujours bénis, Jésus est Seigneur, David au haut et dépôt, acclamons le Seigneur notre Dieu. Praise the Lord. Est-ce qu'un enfant de la destinée peut encore acclamer fortement pour le Seigneur? Il y a destiné à que compète la ouïe ma boko. Alléluia. Amen. Alors bien-aimés, en ce qui est de briser les barrières invisibles, c'est notre temps des offrandes. Balingami na culte na biso ya ko briser ba limite ezali tango na biso ya mabonza. Alors veuillez emballer votre offrande d'adoration. Votre dîme, votre offrande de projet, votre offrande du prophète, tout ce que vous avez amené ce matin dans la maison de l'Éternel. Et bongi bobongi sa, offrande nabino boye na ngo pona nzambe ba dîme nabino, offrande à prophète nyonso boye na yango, boti yango na enveloppe. Pendant que vous le faites, la Bible nous dit dans Agé chapitre 2 verset 8. Tango bozako sala yango Bible lobi na Agé chapitre 8. Chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or m'appartient. Mbongo ezali angai pe wolo ezali angai. Dit l'Éternel des armées. Elobi awenzambe amapinga. Avec cette compréhension, nous sommes tous debout. Prenez votre offrande par la main droite, commencez à adorer l'Éternel. Tendre Père, nous te disons merci ce matin. Tu es la source de tout ce que nous avons obtenu tout au long de cette année. Ainsi ce matin, nous venons dans ta présence pour t'adorer avec nos présents. Agréez-les et bénis-nous en retour.
Tala yamba yango pe zongi selabiso mon kama na sima. Au nom de Jésus, nous disons amen. Na kombo na eso tolobi amen. En cette journée de briser les barrières invisibles. Na mokolo ya kobuka bili bibaka we mona na kate. Que toutes les barrières invisibles contre vos finances soient brisées ce matin au nom de Jésus. Bibaka nyonso liboso ya ba finances na bino we mona na kate buka na kombo na eso. Amen. Amen. Veuillez reprendre vos places. Et offrons avec joie pendant que nous recevons la chorale. Alléluia. Si tu es dans la joie, tu peux le manifester en balançant ta main. Nyoso wana eko tambola kanga yawe batela kanga ye dambe salisaka ga tango nyoso bisika nyoso wana eko tambola kanga yawe zalaka liboso nanga soko zane se mokopeta kuta mwati kelekele Wana eko tambola kanga batela kanga hey, yawe salisa kanga Zambe salisa kanga Nango nyoso yesu nanga Nango nyoso nyoso na bisika nyoso Wana eko tambola kanga Yawe salisa kanga Salisa kanga hey, Zambe batela kanga Tango nyoso Yesu nanga Tango nyoso na mikolo ya mambo inanga Epo tango la kanga Yawe bate la kanga Bate la kanga Yemba tambe salisa kanga Tambe salisa kanga Tango nyoso Yesu nanga Tango nyoso na bisika nyoso na kota Wana epo tango la kanga Yawe salisa kanga Salisa kanga Mokando na yo tambe Ezali kolo ya mikando ya bato nyoso Wana eko tambo la kanga yawe Komi sanga tina mboka elaka Miso na yo tambe Emonaka esika ya moto eko monaka teo Wana eko tambola kanga yawe Batela kanga ye Tambe batela kanga ye Tambe batela kanga Tango nyoso yesu nanga Tango nyoso Tango nyoso na mikola mambo inanga Wana eko tambola kanga Yawe batela kanga ye Batela Tambe salisa kanga Tambe salisa kanga Tango nyoso yesu nanga Tango nyoso na mikola mambo inanga Wana eko tambo la kanga Yawe bate la kanga Salisa kanga Omiso na yo tambe Emonaka esika ya moto eko monaka teo Wana eko tambola kanga yawe Zalaka liboso nanga Nakani si bolingo na yo
nanga nininga na salela ki onzambe pole longa ina sala na bongo nininga na pesa ki o papa pole longa ina tuta tolo he soki le longa na salina bongo yambe Ezaliko yemba nangai teo Bobele ngoluna yo papa e Bebo lingo ya ya Yesu Umisamba Oyo Etonambo Sema nangai yembeli yo e Yode ya ya nangai Umisamba Yawe Etonambo Sema nangai yembeli yo e Wapi mololo ya ba reconnaissant Wapi mololo ya ba reconnaissant Alléluia Nakani si bolingo na yo Kati na pomo inanga Onzambe, pole longa ina tuta tolo. Soki le longa nazana liberté. Ezali misala nangate o. Bobele ngoluna yo yawe. Bebo lingo ya ya Yesu. Kutisamba. Pour son amour dans ta vie. Acclame lui en poussant le cri de joie. C'est son amour qui t'a fait voir cette journée. Acclame très fortement pour le Seigneur. Parce que tu as vu le premier dimanche du mois de juin. Acclame très fortement ton Dieu. Tombola mungongo na yo. Élève ta voix. Banda kotonda nzambe. Commence à rendre grâce à Dieu. Nangolu oyo ya sali yo. Par la grâce qu'il t'a fait. Na bolingo na ye atali se pai na yo. Pour avoir démontré son amour. Na komona mukolo ya lelo. De voir ce jour. Pambola kombo na ye. Bénis son nom. Zambe na bamo ina pusani liboso na yo. Le Dieu vivant, nous nous approchons près de toi. Kotonda kombo na yo. Rendre grâce à ton nom. Pour élever ta seigneurie. Béni soit ton saint nom. Oh. Nous te magnifions le Tout-Puissant. Tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Osa tellement bikamo. Tu es tellement merveilleux. Béni soit ton saint nom. Tu nous as protégé le mois passé. Et nous sommes entrés dans le nouveau mois. Cela n'est pas venu de nous. Mais cela vient de toi. Et pas une ayonde bikamo. Nous retournons la gloire et pas une ayonde elonga. Na pamboli monene na yokolo. Je bénis ta grandeur. Na komisio Seigneur Jésus. Je te loue. Tika ete na tongole lo. Laisse que ce matin. O tinde langa liloba. Que tu puisses m'envoyer une parole. Liloba o ekosuki sabi tumba nyonso ya molili na kati ya bomo. Une parole qui mettra fin avec de toute bataille invisible. Liloba o ekosuki sabi tumba nyonso na zali ko bona. La parole qui mettra fin à toute bataille invisible. Zambe na ndimi ete. Seigneur, je crois que ce matin tu as une parole en ma faveur. Tu as une parole en ma faveur. Tu as une parole pour ma carrière. Tu as une parole pour ma famille. Tu as une parole pour toute ma vie. Nous te louons. Nous te bénissons le Tout-Puissant. Par le biais de ta parole. Tu vas soumettre toute opposition. Et tu vas me conduire dans ma destinée. Nous te louons. Nous te bénissons. Au nom précieux de Jésus.
Nous avons prié. Amen. Et kokisami na kombo na Yesu. Cela est accordé au nom de Jésus. Nanzela lilobane na tongo na lo. Par sa parole c'est matin. Elonga epesamelo na kombo na Yesu. La victoire est accordée au nom de Jésus. Elonga epesamelo na kombo na Yesu. La victoire est accordée au nom de Jésus. Elonga epesamelo na kombo na Yesu. La victoire est accordée au nom de Jésus. Beaucoup taninyonso na liloba. Toute rencontre avec la parole. Yangonde memaka elonga. C'est ce qui apporte le changement. Na sanza oya katikati ya mbula. En ce mois du millier de l'année. Jugement na Nzambe. Le jugement de Dieu. Sera sur tes ennemis. C'est le mois de joie. C'est le mois de victoire. C'est le mois de la paix. En ce mois, il n'y aura pas de plaie. C'est en moi la rencontre de Satan. Chacun de nous entre dans le problème. Acclame très fortement pour le Seigneur. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Et je te dis, sans un malamo ya katikati ya mbula. Renouveau moi. Sans un malamo ya katikati ya mbula. Renouveau moi du millier de l'année. Sunganga na ko souhaiter voisin na yo. Souhaiter ton voisin ou ta voisine. Sans un malamo. Renouveau moi. Eza sans un na yo. C'est en moi. Sans un na yo ya bokoti. C'est en moi de l'introduction. Dans le promesse de Dieu, c'est en moi. Alléluia. Amen. On acclame très fortement pour le Seigneur. Et nous reprenons nos places. Alléluia. Amen. Nous le savons que notre thématique de ce mois, je suis l'enfant de la destinée. Je ne vivrai pas comme un destitué. Alléluia. Amen. Aucune puissance va t'enlever. Yo. Toi, tu resteras dans le promesse de Dieu. Tout le monde doit savoir cela. Je suis un enfant de la destinée. Ce que Dieu a dit sur moi, c'est ce qui va se réaliser. Ce que les gens ont dit, ce que l'on parle, mais ce que Dieu a préparé pour moi. Parce qu'il a dit dans Romains 8, le verset 29 à 30. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Alobi était. Il a dit, car ce qu'il avait appelé, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de fils. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il a justifié. Et il les a aussi glorifiés. En ce mois, alors que toi Zambé tu as été glorifié, Dieu est en train de te Zambé glorifier. Yo. Dieu va te glorifier. Dieu va te glorifier. Zambé azo glorifier yo. Dieu va te glorifier. Quand il y a la gloire, il n'y a plus de reproche. Dans mon kembo ezali reproche ezate. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la gloire, dans un kembo, personne ne va te reprocher. Motomongo ta okipo parce que tout le monde l'élise sur toi. Motonyo chazo tangango ndelogina yo. Praise the Lord. Alléluia. Que cette personne est dans la gloire. Motowana azana kembo. Ça ne peut pas se cacher. Ça s'est lu en toi. Et ce qui doit être ton identité au nom de Jésus. Il y a un plan merveilleux pour ta vie. Et ma prière pour ce mois. Personne ne va renverser le plan de Dieu pour ta vie. Personne ne va renverser cela. Tu as été appelé pour la gloire. Et non pour l'humiliation. Tu n'as pas été appelé pour la honte. Mais la gloire. Toi, tu entres dans ta gloire au nom puissant de Jésus. Tu entres dans ta gloire au nom puissant de Jésus. Tu entres dans ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous savons que le thème, je ne sais pas si je l'avais déjà annoncé, le thème, c'est vers la maximisation de notre destinée glorieuse. Genèse chapitre 13, les versets 14 à 15, 17 à 19. Genèse chapitre 13. Dieu a appelé Abraham. Il a dit, Abraham, Abraham, tu n'es pas destiné à tournailler en rond.
Écoute. Yoka. Sépare-toi de l'autre. Kabana na l'autre. Il constitue un obstacle pour toi. Yango koma ki e baka ponai. Et lorsque Abraham a écouté, Lot a choisi là où il devait partir. Maintenant, Dieu s'est adressé à Abraham. Il dit, regarde du côté du midi. C'est contraint. Je te les donne à toi et à ta postérité. Quand Dieu te guide, il n'y a pas l'échec. Quand Dieu t'oriente, tu ne peux pas te retrouver dans la confusion et l'illusion. Alléluia. Amen. Ces milieux de l'année, c'est pour oui. te conduire dans ta destinée. Une destinée glorieuse. Une destinée redoutable. Une destinée qui va étonner le monde autour de toi. Alléluia. Amen. Le milieu de l'année, c'est le moment des actes étranges où tu dois vivre des choses nouvelles. En ce milieu de l'année, là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir au nom puissant de Jésus. Tu vas réussir au nom puissant de Jésus. Tu vas réussir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 61, le verset 9. Leur race sera connue parmi les nations. Et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui se verront, tous ceux qui le verront, reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Leur race sera connue parmi les nations. Postérité parmi le peuple. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront qu'ils sont bénis de l'Éternel. Toi, tu es béni de l'Éternel. 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 Et partout, on te reconnaîtra que tu es béni de l'Éternel. Dites-toi, je suis béni de l'Éternel. Quand il y a la bénédiction, il n'y a pas la malédiction. Et le monde a reconnu que Abraham était béni de l'Éternel. Il s'est constitué une armée. Il avait tout autour de lui. Simplement parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. Praise the Lord. Amen. C'est l'obéissance à la voix de l'Éternel qui a conduit Abraham dans sa destinée. Tu n'es pas créé pour tâtonner dans la vie. Tu as été créé pour la gloire. Toute chose qui ne représente pas la gloire dans ta vie. Et on donne de te quitter en puissant de Jésus. Écoute ce que dit la Bible dans Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais. Alléluia. Amen. Tu as été appelé pour la gloire. Alléluia. Amen. Tu as été appelé pour que tu fasses sortir le peuple avec le dernier aveuglement. Toute chose qui ne représente pas la gloire de Dieu. Que ce soit dans ta carrière. Que ce soit dans tes affaires. Et ordonner de partir maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute malédiction qui afflige ta famille, qui afflige ta carrière, est annulée au nom puissant de Jésus. Je commande l'avortement de toute malédiction qui ne fait pas prouver que la gloire de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es appelé une race bénie de l'Éternel, une destinée glorieuse.
Tu ne peux pas être un sujet de la honte. Mais c'est l'obéissance qui peut désarmer tes ennemis. Tu as été racheté pour être un envie du monde autour de toi. Et non une personne dont on doit avoir tout le temps pitié de lui. Tu es une génération rachetée de l'éternel. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et tu es appelé à dominer yo, sur les circonstances et les obstacles de la vie. Dominer même sur le combat de la vie. Mais votre obéissance, c'est la porte d'entrée pour les sommets. Pona Nicolo Ngomba. L'obéissance, Botosi, c'est la porte d'entrée pour une destinée glorieuse. Pona lobi lobi yankembo. Sans l'obéissance, Kozanga Botosi, tu ne peux pas entrer dans ta destinée yo, glorieuse. Okokite kokota na lobi lobi na yo yankembo. Tu as été né de nouveau yo, obotama yasika, pour un nouveau départ. Pona lobi yasika. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Comme nous l'avions dit au premier culte. Ne yendo lobi yango na premier culte. Tous, nous sommes appelés pour une destinée commune. Mais ce qui nous distingue, c'est notre compréhension spirituelle. Ta compréhension spirituelle, ma compréhension spirituelle, c'est ce qui établit la différence dans notre vie. Sans cette compréhension spirituelle, tu ne peux pas te retrouver au sommet. Et tu ne peux pas représenter Christ partout où tu es. Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1er. Le verset 17 à 21. Verset 17 à 21. La Bible nous dit, enfin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. J'ai dit, nous avons tous la destinée commune. Mais ce qui nous distingue, c'est la compréhension spirituel. Ephésiens 1:17. Enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de gloire. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Lorsque vous avez l'esprit de la sagesse et de la révélation dans sa connaissance, c'est ce qui va te positionner et t'imposer pour ta destinée glorieuse. Alléluia. Amen. Tous nous sommes appelés à la gloire. Mais la compréhension spirituelle, la connaissance de sa personne. Quand tu as la connaissance de sa personne, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à défier les défis de ta vie. Au verset 18, la Bible dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Qu'il illumine le Dieu de votre cœur. Que tous yeux bandés voient maintenant la gloire de Dieu au nom de Jésus. Que toute vie voilée, que la voile se déchire maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Lorsque les yeux de votre cœur sont illuminés, tu ne peux pas te permettre d'être victime. Mais d'être victorieux, de dominer, de triompher. Partout où tu es, tu seras toujours remarquable au nom de Jésus. Tu seras remarquable au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et quel est envers nous qui croyons en l'infinie grandeur de sa puissance? C'est
manifestant avec efficacité par vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de la mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous le pied et il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Amen. Quand il y a la connaissance de sa grandeur, de ses vertus, de la grâce qu'il nous a donnée, tu ne peux pas te permettre à te plaindre régulièrement. Alléluia. Amen. Tu as une destinée glorieuse. Nombreux de ceux qui m'ont rencontré avant que je sois pasteur, je leur disais toujours, moi je suis un enfant de la destinée. Je suis un enfant de la destinée. La Bible dit, ouvre grandement ta bouche et je la remplirai. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu réalise. Je leur disais, je suis enfant de la destinée. Et quand tu es un enfant de la destinée, tu es là pour éclairer. On n'allume pas la lampe pour la mettre sur la table, mais c'est pour éclairer. Toi, tu vas toujours éclairer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es appelé à éclairer. Yo, tu es appelé à dominer. Yako, tu es appelé à triompher. Tu es appelé à vivre une vie heureuse. Alléluia. Amen. Ta compréhension spirituelle. Arrête de te plaindre et d'accuser les autres. Ce sont les sorciers. Et ces sorciers-là n'ont pas arrêté tout le monde qui a évolué. Et ce qui nous distingue, c'est notre compréhension. Alléluia. Amen. Oui, il est sorcier, ouais, mais il n'a pas la capacité de pouvoir me dominer. Il n'a pas de l'autorité sur ma vie. Christ est souverainement élevé. Au-dessus de toute force, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent. Si vous avez la compréhension, toute forme de crainte va totalement partir d'aujourd'hui. Toute forme de crainte, tu ne dois pas avoir peur de ton avenir. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Tu es caché en Christ. Sauf ton détournement. Sauf kaka soki yo moko, okay. Si tu te détournes de la voie de Dieu, soki yo moko, olongwe, tu peux être victime de l'ennemi. Wana, victime ya mongona. Toi, tu ne seras pas victime au nom puissant yo, de Jésus. Mamboko, tu ne seras pas victime au nom puissant yo, de Jésus. Victime, tu ne seras pas victime au nom yo, puissant yo, de victime, Jésus. Tu seras toujours béni au nom puissant yo, de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, notre destinée en Christ comprend. Premièrement, une sainte destinée. Lobby lobby ya peto. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans le ciel, dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant le fondement du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être les enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté.
Alléluia. Amen. Nous avons été. Bisoto Zalaki. Nous avons été prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption. Alléluia. Amen. Quand tu es adopté, dans une famille, tu es obligé de suivre les principes et les conditions de cette. C'est pas que tu arrives dans une famille, tu les trouves avec leur éducation, leur ligne de conduite, et toi tu veux semer des désordres. On va te chasser de la famille. Ou bien tu ne vas pas profiter de la bénédiction qui est sur cette famille. Nous sommes rachetés pour vivre une vie nouvelle en Christ. Nous devons nous soumettre au principe de Christ en marchant dans la crainte de Dieu. Nombreux d'entre nous, nous crions que nous sommes sauvés. Nous sommes rachetés. Mais est-ce que nous vivons dans la crainte de Dieu? Est-ce que nous vivons dans la crainte de Dieu? Quand tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu ne peux pas échapper à la loi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Le verset 17, la Bible dit. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en paix envers toi-même? Si tu voles, tu ne seras pas en paix. Parce que tout le temps tu seras, tu auras la paix d'être attrapé. Alléluia. Amen. Je l'ai dit au premier culte. Une dame est venue me voir. Moi, si moi, disant, mais, pasteur, nous sommes maintenant des chrétiens. Mais on veut m'imposer les histoires de la coutume. Je l'ai dit, oui. Il faut suivre leurs principes. Alléluia. Amen. Il y a la loi. La loi que Moïse avait établi. C'est la coutume juive. Mais Jésus a dit, je suis venu pour accomplir et non pour abolir. Praise the Lord. Alléluia. Même lorsqu'il a, on a posé la question à Jésus. Que penses-tu? Moïse nous a dit. Donc, si la femme ne se comporte pas bien, écris-la la lettre et tu vas la répéter. Et Christ, et toi tu dis quoi? Et il a répondu, ce n'est pas votre incrédulité que Moïse a autorisé, c'est là que personne ne sépare ce que j'ai joint. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais quand tu refuses, il faut respecter les principes. Qu'est-ce qui nous expose au danger? C'est la désobéissance. Quand tu es mort dans la chair et ressuscité avec Christ, tu fais partie de la famille de Christ. Et comme tu fais partie de la famille de Christ, vivez selon les exigences de Christ. Arrêtez le mensonge, la tromperie, l'immoralité, toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Je pense que si tu es appelé pasteur et que tu arrives sur la route, Amen. On nous appelle ceux qui enseignent la loi. Église, vous voyez, l'ensemble. On nous appelle ceux qui enseignent la loi. Même ceux qui ont policiers à poser, mais pasteur. Même un policier, s'approche. Mais pourquoi est-ce que tu as fait cela? Donc, on va vraiment te frapper comme il faut. Honneur, n'ayez que des pourquoi? Parce que tu as volé.
Même si tu es pasteur. Non, je suis pasteur. Nous sommes pasteur. Donc, pasteur, le fait d'être pasteur t'a envoyé de voler. Oh, Naza né de nouveau. Je suis né de nouveau. Orobiki sama. Est-ce que tu seras sauvé? Orolimbi sama. Tu seras pardonné. Ponanin. Pourquoi? Oboki mobeko. Parce que tu as désobéi à la loi. Lorsque tu marches dans l'intégrité, donc ceux qui m'ont allé dans Simba, ils ont lorsque les personnes veulent te toucher, c'est ça. Mais dès qu'on Simba y était, non, ça ne le touchait pas. C'est un serviteur de Dieu. Ponanin. Pourquoi? Oboki mobeko. Parce que tu n'as pas désobéi à la loi. Je ne suis pas venu pour anéantir la loi, mais pour accomplir. Quand tu es né de nouveau, marche selon le principe de la nouvelle famille. Évite de t'impliquer dans les choses du monde, sinon tu vas ouvrir la porte à tes ennemis. Et lorsque tu ouvres la porte, l'ennemi va te frapper sans excuse. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Marchons selon le principe de notre nouvelle famille. Deuxièmement, nous sommes appelés à une destinée glorieuse. Romains 8, 29, 30. Et 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Il y a la peine à la gloire. Nous sommes tous appelés à la gloire. Il faut répondre au principe de la gloire. Alléluia. Amen. Seule la nouvelle naissance fait de nous les enfants de la destinée. Alors, la question est la suivante. Comment puis-je savoir si je suis né de nouveau? Premièrement, à travers la manifestation du fruit de l'esprit, qui peut aussi être défini comme de preuve d'un esprit régénéré. Il faut avoir un esprit régénéré. Galates chapitre 5, le verset 22 à 23. Et là, on nous présente le fruit du Saint-Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc, pour que tu saches que tu es né de nouveau, regarde en toi. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que tu es en paix? Devant peu importe quelle situation de la vie, tu ne dois pas être troublé, mais tu dois avoir la paix de Dieu en toi, que tu vas réussir, tu vas t'en sortir, et que toi tu es béni. Alléluia. Amen. C'est ça la référence de reconnaître que cette personne est née de nouveau. S'il n'y a pas ce fruit du Saint-Esprit, la personne est appelée à redonner encore sa vie à Jésus. Alors, ce fruit inclut aussi l'amour de Dieu qui prend vie à nous. Quand il y a l'amour de Dieu qui prend vie en nous, il y a preuve de la nouvelle naissance. 1 Jean 4, verset 16. La Bible nous dit au verset 16 de 1 Jean chapitre 4. Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu. Que Dieu a pour nous. Et nous y avons cri. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Amen. Le verset 21. Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement. Et celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
alingi pende konaye. Si tu n'aimes pas ton frère, soko lingi ndeko, tu n'aimes pas ta sœur, olingi ndeko noya moi, tu n'aimes pas tes semblables, olingi bato, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Yo ozana bolingo, il n'y a pas les fruits du Saint Esprit. Emolimo Saint Esprit. Tu peux prétendre être spirituel. Yo ikola kisabato eto za muta molimo. N'aime pas ton frère. Soko lingi ndeko. Tu n'aimes pas ta sœur. Olingi ndeko. Tu n'as pas l'amour de Dieu ozana en toi. Tu dois donner ta vie à Jésus. Le Seigneur opesa bomo ino na Christo. Jean 13, le verset 35. Jean chapitre 13, le verset 35. Deuxièmement, la joie du salut qui éclate dans notre âme. Alléluia. Il doit y avoir de la joie dans ton cœur. Psaume 51, le verset 12. Psaume 51, le verset 12. Et acte 8, le verset 5 à 7. Acte 8, le verset 5 à 7. Il faut avoir, ayons la joie. Alléluia. Quand tu as un esprit renouvelé, il y aura la joie dans ton cœur. Deuxièmement, comment reconnaître que la personne est née de nouveau? Par le sauvetage des œuvres de la chair, qui peuvent aussi être définies comme des preuves comportementales. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset 19 à 21. Verset 19 à 21. La Bible nous dit. Biolobi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, au Kominanda Kovandi, tu arrives à la maison. Aujourd'hui, bah, fruit du Saint-Esprit. Tu prends le fruit du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Ezali, bah, fruit du Saint-Esprit. Tu prends ce qui n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Tu commences à regarder dans ta vie. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu n'entres pas dans ta destinée? L'inamitié. L'inamitié. La jalousie. La jalousie. Des querelles. Toutes ces choses ne te permettront pas d'entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Débarrassez-vous des choses qui peuvent vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Mais quelles sont les clés pour notre destinée colorée en Christ? Première clé, ayez un cœur pour Dieu. 1 Samuel 13, le verset 14. 1 Samuel 13, le verset 14. 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Ce qui n'est pas au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Quand tu aimes Dieu, il va toujours te surprendre. Il t'abandonnera. Deuxièmement, ayez la soif de la parole. Psaume 119, le verset 97 à 100. Psaume 119, le verset 97 à 100. Alléluia. Amen. La parole te rendra toujours sage. Aimons Dieu. Ayons un corps pour Dieu. Quand tu as un corps pour Dieu, ta victoire sera garantie. Quand tu es en Dieu, aucune force de l'enfer ne peut avoir la même mise sur ta vie. Toi, tu es victorieux au nom de Jésus. Tout combat de ta vie est déjà gagné en avance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu as le fruit du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être troublé devant peu importe quelle information. Il y a d'autres qui sont agités. Nani alobi na yo? Qui t'a dit cela? Nani alobi yo? Qui t'a informé cela? Comment? Et
Ézéchias a gogaki kotelema. Comment est-ce que Ézéchias pouvait se tenir? Bah, yebisi na grand prêtre, grand prophète. On l'a dit chez les grands prophètes que ozo kufa, que tu vas mourir. Olé alela. Olé azala dépaysé. Olé qu'il soit stressé. Mais abaluki na mi. Il s'est tourné vers le mi. Non, on ne s'était pas entendu comme ça. Le mort n'ont pas de pensée. Ceux qui sont morts n'ont pas, ne t'élèvent pas. Mais ce sont ceux qui sont en vie qui t'élèvent. Souviens-toi de moi. Oui. Dieu a dit, mais oui. Azan a raison. Il a raison. Ceux qui sont morts n'ont pas de pensée. Ils n'ont pas de pensée. Je le rajoute encore 15 ans. Tout ça est dit dans la compréhension spirituelle. La compréhension spirituelle. Et la victoire t'est accordée. Bienvenue dans notre journée d'alliance. Oui, malamo, de gagner le bataille invisible. Bienvenue dans notre journée d'alliance. Oui, de gagner le bataille invisible. Yo olongi déjà na kombo na Yesu. Elonga epesa melo na kombo na Yesu. La victoire t'est accordée. Elonga epesa melo na kombo na Yesu. La victoire t'est accordée. Mais oba ina bo moina yo. Bazoyo ki sa masoni na kombo na Yesu. Aujourd'hui seront dans la honte. Bakolanda sima na yo. Ils vont venir après toi. Bakomona tombo mana yo. Ils verront. Bazobona li pamboli ni kola bo moina yo. Ils verront la bénédiction sur ta vie. Mokote akokunda bo moina yo. Personne va enterrer ta vie. Mokote akokunda lobi na yo kitoko. Personne va enterrer ta destinée glorieuse. Toi, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Ce que les gens ont dit, c'est pas ce que Dieu a dit. Alors que toi, tu crois Dieu, c'est ce qui va t'arriver. Tu es béni au nom de Jésus. 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, le verset 4. Et le verset 19. Et le verset 19. La parole de Dieu nous dit. Dans 1 Jean, chapitre 5. Jean, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qu'est-ce qui triomphe ton monde? C'est ta foi. La paix dans ta vie de couple, c'est ta foi. La paix dans ta carrière, dans tes affaires, c'est ta foi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien Proverbe 4. On a bien Proverbe 4. Garde ton cœur de plus que toute autre chose. C'est d'elle que dépend les limites de ta vie. Garde ton cœur de plus que toute autre chose. Ne laissez jamais les ténèbres envahir ou bien la défaite envahir ton cœur. Mais garde ta foi. Le juste vivra par la foi. Mais s'il perd sa foi, il n'est plus agréable devant Dieu. Toute chose désagréable qui veulent te détourner, te refroidir dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu, et ordonner de te quitter au nom puissant de Jésus. Tu ne seras jamais refroidi. Quels que soient les combats de la vie, toi tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Alléluia. Amen. Au point où les gens peuvent même dire, mais comment il lâche pas? Tu ne lâcheras pas. Tu ne lâcheras pas. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne lâcheras pas. Jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Ta victoire est garantie au nom de Jésus. Ta victoire est garantie au nom puissant de Jésus. Crois en Dieu. J'aime bien ce qu'on dit dans ma langue maternelle. Vous avez déjà entendu ça? Quand tu es persévérant, tu ne peux pas échouer. Mais si le monde peut comprendre ça, à plus forte raison, toi qui es né de Dieu, sois persévérant. Tu vas réussir. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Cette bataille-là est gagnée en avance au nom de Jésus. Cette bataille est gagnée en avance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen.
C'est dans le royaume des ténèbres où résident les forces invisibles. C'est dans la méchanceté où il y a toujours des plaintes, des grincements dedans. Comment il évolue? Comment il peut être bien? Nous voulons sa chute. Ceux qui veulent ta chute, ils vont échouer au nom puissant de Jésus. Ils vont échouer au nom puissant de Jésus. Tu n'échoueras jamais au nom puissant de Jésus. Ils sont en train de planifier le mal. Ils vont tomber dans leur propre piège. Mais la Bible te dit, parce que quand tu t'engages dans la guerre, il faut savoir jouer à la prudence. J'aime bien ce que dit Deutéronome 2. Versets 23 à 24. Fais-les la guerre. Combat-les. Mais sois sur tes gardes. Le verset 2. Tu as assez tourné au même point de départ. Lève-toi. Prends la direction du vent de midi. Fais-les la guerre. Je les livre entre tes mains. Mais sois sur tes gardes. Dans le combat, il faut de la prudence. Sans la prudence, même une personne qui n'est pas forte peut te frapper. Alléluia. C'est la stratégie. Il faut savoir être stratège. Quand tu n'es pas stratège, non. Le combat, ce n'est pas en fonction de la force. Tu pars impressionner les ténèbres. C'est pas ça. C'est que Dieu attend de toi. Éphésiens 6, le verset 12. Que nous dit la Bible? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Ce n'est pas un combat de la chair. C'est un combat de l'esprit. Il faut être stratège. Il faut être stratège. On peut te piéger. Mais quand tu es prudent, tu vas t'en sortir. On va t'accuser sur base de quoi? Même seulement de la parole de Dieu. Mais c'est la connaissance de la parole qui te rendra victorieux. La Bible te dit dans Éphésiens 6, premier verset. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Celui qui maudit son père et sa mère maudit sa propre destinée. Et toi, tu te permets à maudire tes parents. Non, moi, je suis combattant. Tu viens devant lui. Il te regarde. Mon enfant. Parce que tu es licencié. Tu as le diplôme de doctorat. Fais gaffe. Honore. On a dit honneur. Au moins, on a beaucoup fait ça. Yo, on a pas costume. Ils sont en train de rester affamés. Toi, tu viens avec des vestes. Attends, ils ont comment retenir de la rabango. Tu les envoies rien. Il se fait avant d'aller au Zambie. T'as la bonne aujourd'hui. Regarde. Là, il n'a ni comment ponaier. J'avais beaucoup fait. J'ai fait ceci pour lui. Nazola l'anzala. Aujourd'hui, on reste affamés. Mais dans ta maison, on jette la nourriture. Est-ce que tu vas vivre longtemps? Est-ce que tu vas vivre longtemps? Tu auras la richesse. Qui a ouvert cette porte? Attends, ok. Yeah. Même si tu vois. Ça ne va rien changer. Parce que tu as ouvert. Mais quand tu fais ce qui est honorable, aux la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Le diable qui va se tenir devant toi lorsque tu es dans la parole. Alléluia. L'ennemi est tellement rusé. Le combat que nous avons, ce n'est pas charnel. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ne donne pas l'accès au diable. Veille sur tes pas. Veille sur tout ce que tu es en train d'entreprendre. Non, moi je suis vainqueur. Tu es en train de parler sans contrôle. On risque de bloquer ta vie et tu ne vas pas comprendre.
Attends, serpents à la ramabé. Même les serpents, même si les serpents sont méchants. Mais Jean référence na yé. Mais Dieu pose à la présent le la nyoka. Soyez prudents comme les serpents. Parce que les serpents, lorsqu'une personne vient, il va se cacher. Sur le point qu'on y a taillé, a aussi monté. Si tu veux la piétiner, il trappe. Mais yo, l'unique joue la prudence. Mais toi, tu ne veux pas être prudent. T'es un naza vainqueur. Non, moi, je suis vainqueur. Naza vainqueur. Je suis vainqueur. Ah. Qui vainqueur na yonde est indiosa la impoli envers le patron. Le fait d'être vainqueur qui t'envoie d'être impoli. Longolo na musala qu'on se retrouve chômeur. On va te virer. Yo zala na musala musuzu te yo wana mapeka. Tu n'as pas notre travail, mais tu es comme ça. Ngai ngai. Ah bon? Moi. On t'observe. Ok na ba prier. Non. Tu vas prier. Bondela. Prie. To sape. Obéis. La nami beko. Et suis les ordres. Personne ne va te toucher. Tikala nanzela oyayo. Reste dans ton chemin. Praise the Lord. Alléluia. Joël 2. C'est pour cela que j'aime Joël 2. Le temps de la fin, mutna mutaza nanzela. Le temps de la fin. Tu cours sur ton chemin. Sans pourtant entrer dans le chemin. Parce que si tu entres dans le chemin de l'autre. On risque de te gratter yo, ou encore de te cogner. Quand on ne va pas te cogner ou te tamponner au nom de Jésus. Reste dans ta ligne. Tambola na koto sans zambé. Marche en obéissant à Dieu. Tambola na kobanga nzambe. Marche dans l'intégrité. Et longa epesa meilo na kombona. La victoire t'est accordée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tozana bitumba na molili. Nous avons le bataille invisible. Mais Paul est ensemble et ça est long à la mais c'est la lumière de Dieu qui est notre victoire. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 6. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 6. 1 Jean 5, le verset 19. 1 Jean 5. Et Jean 1, le verset 5. Jean 1, le verset 5. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons de batailles. Mais il faut Paul est ensemble. La lumière, la lumière de la parole. Ce qui va illuminer ta vie. Alléluia. Et lorsque tu marches dans la lumière de la parole, les ténèbres ne vont pas te vaincre. Les ténèbres ne te vaincront pas au nom de Jésus. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point réussi. Lorsque la lumière c'est la gloire qui s'établit. Mais pour la colonne méchanceté, nous sommes pour vaincre toute méchanceté. Premièrement, il faut naître de nouveau. Jean chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Quand tu sais que tu es né de nouveau, marche aussi dans la nouveauté de vie. Ne donnez pas l'accès au diable. Quand tu ne donnes pas l'accès au diable, les ténèbres n'auront pas de fait sur ta vie. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous? Tu ne peux pas négliger la parole et d'être assis que tu vas t'en sortir. Si tu veux vaincre cette bataille de la vie, aligne-toi à la parole de Dieu. Marchons dans la lumière de Dieu. Quand la porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Pour que tu arrives à triompher sur tes ennemis, marchez dans la lumière. Ne négligez pas les instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen.
Quand tu es né de nouveau, tu vas imposer une mode de vie qui glorifie Dieu. Tu ne dois pas suivre tout le monde. Esaïe 60, le verset 1 à 3. Lève-toi, ta lumière est arrivée. Les ténèbres couvrent toute la terre. Mais sur toi, sa lumière s'élève. Sur toi, il y a la lumière. Ne te comporte pas comme les autres parce que tu n'es pas les autres. Garde ta lumière. Quand tu gardes la lumière de Dieu sur ta vie, tu vas diriger le monde. La lumière de Dieu ne s'éteindra jamais dans ta vie. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Deuxièmement, pour vaincre la méchanceté, pour vaincre le force de la méchanceté, engager la puissance de la foi. Engager la puissance de la foi. Marc chapitre 11, le verset 19 à 23. Et Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 6 à 16. Verset 6 à 16. Permettez, Éphésiens 6, on peut lire simplement le verset 16. Le verset 16. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il faut porter les boucliers de la foi. Alléluia. En appliquant les divers mystères, en oignant vos affaires, en oignant votre vie, en déclarant sur votre vie, et les ténèbres ne vous triompheront jamais au nom de Jésus. Ce sont les forces invisibles. Il faut avoir tout le bouclier de la foi. Quand je suis allé implanter notre église de Mbandaka, dans la maison où nous avions loué, il y avait une personne qui était réputé féticheur, qui était mort là-bas. Et cette maison avait passé beaucoup de temps, personne ne voulait louer cette maison. Mon père, le visiteur aussi, il ne sait rien. Alléluia. Amen. J'ai pris cette maison en location. Premier jour, à 21h, j'entends la porte qui s'ouvre. Mais la porte est fermée. Qui ouvre la porte? Et je me suis rappelé du témoignage de notre pasteur de Braza. Lui, dans la maison où il était parti louer, à 22h, il y avait la musique qui jouait. Donc, nous, les Napalins, vous comprendrez. Il est père le but. Oh, ce qui n'a qu'il y a pasteur, à 21h, il y a bandi louange. À 21h, il commence la louange. 22h, et l'autre côté. À 22h, et je me suis souvenu de ça. Et na kanisa ki yango. Donc, 20h. Donc, bandi prière na louange. On a commencé la prière et la louange. 21h, porte fonga marade. 21h, la porte. Et limouena nous à un certain moment. À un moment. Et une nuit, je vois les gens entrer. Deux. Je vous ai demandé, qu'est-ce que vous avez venu chercher? Oh, ils sont venus chercher une personne comme elle. Je les ai dit, que ce soit votre dernière fois. S'ils rentrent ici, il va mourir encore pour la deuxième fois. Et ils sont sortis. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'avais une précaution. Et le jour après, sur la toiture, une personne était en train de marcher. Ça, c'est quelle comédie? J'ai pris l'échelle, je suis monté avec la torche. J'ai braqué au-dessus. Je suis rentré. Il y a une personne qui marche. Je monte encore. Je descends. Il y a une personne qui marchait. Je me suis dit, ça c'est quelle affaire. J'ai pris le jus rouge. J'ai mis le jus rouge. J'ai dit, le esprit. Et avec cet esprit, ici, j'ai ordonné de ne plus fouler tes pieds ici. L'eau que j'avais mis le juge, je l'ai déclaré le sang. D'après la loi, tout est sanctifié par le sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Je suis monté et j'ai aspergé. Là-bas, à l'Équateur, Ouaï, l'Équateur est bon comprendre.
C'est-à-dire, à partir de ce temps-là, il n'y avait plus rien. Alléluia. Tout ce qui tourmentait ta vie, alors que tu es sous la voie, déclaré souka au nom puissant de Jésus. La fin de cette affaire au nom de Jésus. Prenez par-dessus le bouclier de la foi. Prenez par-dessus. Arrête de te plaindre. Arrête de plénicher. Applique la parole. Tiens, il y a une maman qui dit que tu es à 0 heure. Ceux qui ont été au pourquoi Haïti n'a pas de place au Lali et au Mobile. Pourquoi ils ont été là? Ils étaient dormis et ils étaient regardés. Donc, au lieu de Poukou, attends pour les Licolo, attends, menacé, attends, Lio Siko. Ils puissent marcher là-bas, mais ils étaient regardés. Bah, Poukou, bah, Tobo, là, Ndako, bah, Tobo, là, bah, Tobo. Trouver de maison, la maison. Mais papa, n'a évité l'eau au niveau ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Bah, Poukou, Licolo, la souris. Chaque 0 heure. Bon, Kende, Zoui, l'onction. Ok, prends l'huile d'onction. Zala a été à jeûne il y a 3 jours. Jeûne pendant 3 jours. Donc, Wendre, bah, Kwenyon Sandakuna, Wendre. Wendre, à porte. Sala sans aspersion, sala pellicule. Fais l'aspersion. Premier jour. Le premier deuxième jour, Ayoke Lobote. Troisième jour, Ayoke Lobote. Le troisième jour, Ayoke Lobote. Le troisième jour, Ayoke Lobote. Non, toi, tu me combats. Sors dans ma maison. Alléluia. Amen. Ndoki mokote akokayo lesu na kombo na. Aucun sorcier va te vaincre. Ndoki mokote akokayo lesu na kombo na. Aucun sorcier ou aucune sorcière va te. Prenez par-dessus. Abibozoa. Le bouclier de la foi. C'est l'armure complète. L'armure totale. Ezali ebaka. Yo wana zoka na luka prophète so yo. Tu vas chercher des prophètes. Prophète akwa mbrie yo kaka. Le prophète va t'embrier. Est-ce que prophète Moussa ne zani? Quoi annoncer non? Le prophète son travail est d'annoncer. Son directif. De te donner des. Non, tu es un moribond. Donc avant que vous fassiez ce micro film na kati na yo. Ben on confie. Ben yo dans la costume na ga on na ko la go. Ah, ma veste ici, je laisse ma veste. Ça pas ton au ton son ma. Aïe aïe. Et tu es Weston. Capito atala ga. Ben yo mi boma avant que vous fassiez. Pourquoi t'es tué? Arrête! Arrête ça. Praise the Lord. Alléluia. Kende liboso na Nzambe. Va auprès de Dieu. Engage ta foi. Tiens condimana yo. Sois ma bouclier nyonso bibundeli nyonso. Le bouclier de la foi et tiens toi. Téléma la situation wana. Tiens-toi, oppose-toi à cette situation. Tu ne vas pas me vaincre. La mort ne va pas me vaincre. La pauvreté ne va pas me vaincre. Je ne vais pas perdre mon travail. Yeso la kiso eloko mosusu te. Christ ne t'a pas montré. Ce n'est que le fait de prier. Tu appliques le mystère. Applique le mystère. C'est pour cela l'évêque a toujours dit. La personne qui va m'ensorceler n'est pas encore venue dans ce monde. Toute personne qui va s'attacher, elle va tomber dans le nom de Jésus. Elle va tomber dans le nom de Jésus. Elle va tomber avant toi dans le nom de Jésus. Il faut engager la force de la foi. C'est un petit à tu ne vas pas triompher si na comme ça. Il faut prendre autorité. Tu dois prendre l'autorité. Et bien, ça, niveau, vous savez, à certains niveaux, tu n'as plus besoin de prier. Amanda, lorsque je suis allé comment on est avec maman Annie? Sinon, c'était maman Annie. Tu as besoin de soso. Tu as besoin de soso. Yokanga place aux na ordonné yo. Pourquoi le nom maintenant? Lala Nandako. Rentre en cellule. 18h, Moni Basoso Baso. 18h, il voit ses boulevers. Abim bang, on a l'église. Et demain, pasteur, il dit, Basso. Mais dit, pasteur, ils sont rentrés. Est-ce qu'on a prié à qui? Je n'avais pas prié. Et ça n'a pas marqué mon soso. Il y a certaines choses pour que tu puisses te autorité. Tu dois prendre l'autorité. Il faut déclarer. Tu dois déclarer. Et puis, ouvre ta bouche. Je la remplirai. Toi, tu utilises ta bouche juste pour te plaindre. Et lorsque la douleur entend cela, ça s'amplifie encore. Mais yo, douleur. Et toi, douleur, donné, yo. Je t'ordonne de te quitte de ce corps. Non. Je vais me promener correctement. Parce que Christ a pris mes douleurs sur la montée de Golgotha. Kolongono. Et tu n'as pas. Tu es un contemple du Saint-Esprit.
C'est je t'ordonne de quitter. Les poumons, le ventre. Les autoragas, les autoragas. Qui aura pitié de toi? Eh, Litoï. Eh, comme il est toujours moussapi. Eh, on est comme on est. Au fur et à mesure que Ozako se plaint, au fur et à mesure que Ozako continue à torturer. Il est en train de te torturer. L'engage moko au Satan à Yogaka. C'est la puissance. C'est la puissance. Autorité. C'est l'autorité. On m'a dit que parti où on est, cette partie là ne fonctionne plus comme il faut. Je t'ordonne maintenant de fonctionner comme il faut. Attends, je pas dans un tambour. Même si tu ressens la douleur, je vais marcher. Correctement. Et tu marches aussi correctement. Il y avait une douleur. What? Tout ce qui a longtemps duré dans ta vie. Et puis mon nom puissant de Jésus. Luka explosion, il y a Paul et Nakati à Bamoyayo. Tu dois chercher l'explosion de la lumière dans ta vie. Yangonde sengeli o Luka na Bamoyayo. C'est ce que tu dois chercher. Ezako Luka te nani o azo lokayo. Ce n'est pas de chercher qui est en train d'être ensorcelé. Ésaïe 59, 19. Lorsque tes ennemis viendront comme un feu, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Et ko benga na bango. Atunite. Il n'a pas demandé. Qui viendra? Tout celui qui viendra. Oh non. Des routes. Bakukima. Toute force des ténèbres contre ta destinée est ordonnée de partir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Recherche l'explosion Luka, de la explosion, lumière par la prière Poli. Et les jeûnes. Ésaïe 58, 6 et 8. Les jeûnes que j'aime, c'est briser les jougs de la méchanceté du diable et renvoyer libre les opprimés. Tu dois repartir d'ici totalement libre et puissant de Jésus. Et ta lumière poindra comme l'aurore. Quand tu jeûnes et tu pries, ta lumière va poindre comme l'aurore. Nous devons arrêter de nous plaindre, mais nous engager dans un bon combat, le combat de la victoire. Alléluia. Et troisièmement, soyez engagés dans une vie d'alliance. Psaume 74, le verset 20. Aie égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères. Quand tu es en alliance avec Dieu, bah ambiche, bah obstacle, bah piège de son molili. Et qu'aussi, Baba, mon nom, t'es la combonne. Ils ne vont pas toucher ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aie égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères. Quand tu demeures en alliance, tu es engagé dans l'œuvre d'avancement du royaume. Tu es engagé à contribuer pour la promotion du royaume. Il y a le projet ici de la continuité du balcon. Engage-toi à contribuer. Et Dieu va toujours se souvenir de toi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt de relever les défis auxquels tu fais face? Même si à ma gauche, 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra. Si tu es prêt à relever peu importe quel défi, tiens-toi sur tes pieds, commence à déclarer, commence à annoncer ta victoire sur toute œuvre de la méchanceté du diable. Continue à déclarer aujourd'hui, mets un terme à toute situation nuisible. Que toute force, que cette maladie qui a rongé ta famille disparaisse de ta famille, disparaisse de ta vie, disparaisse aujourd'hui. Je suis devant ta face. Je te prie, ô Éternel des armées. Je te supplie, ô Dieu. Lève-toi ce matin. Mets en terme à toute ruse de l'ennemi. Mets en déroute toute force de l'enfer. Sauve-moi aujourd'hui. Secours-moi, ô Éternel des armées. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Demande la fin de cette situation. La stagnation doit s'arrêter. La vie de quelqu'un
mendicité doit s'arrêter. La vie de plainte doit s'arrêter. Je suis racheté comme roi. Je suis racheté pour dominer. Je suis racheté pour régner. Cette vie d'humiliation s'arrête aujourd'hui. Toute force d'opposition qui m'empêche d'être à la hauteur, de me prendre en charge, s'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. Seigneur, libère-moi, Seigneur, de toute vie de dépendance. Ouvre une nouvelle porte. Brise les barrières impossibles. Détruis les obstacles du ténèbre. Que tous ceux qui se sont levés contre ma destinée échoue maintenant. Échoue maintenant. Échoue maintenant. Je prends l'autorité sur toute force du ténèbre. Je déclare, Seigneur, la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare ma promotion. Je déclare le mariage miracle. Je vais me marier glorieusement. Je ne finirai pas ma vie dans la maison de mes parents. Les portes fermées sont ouvertes. Les portes fermées sont ouvertes. Je suis victorieux. Je suis béni. Merci Seigneur Jésus. Pour le vent devant nous. Pour le nouveau départ. Pour un vent. Merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tout obstacle sur la voie de ta destinée est ôté au nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune montagne qui ne peut pas être surmontée. Il n'y a aucune situation qui ne peut pas être résolue. Tout problème auquel tu fais face, échangez un témoignage au nom de Jésus. Échangez un témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut la volonté du changement. Je le disais au premier culte. La volonté, c'est une force que quiconque ne peut arrêter. Dieu a vu les hommes unis en train de construire la tour de Babel. Il a dit, mais ils sont unis. Ils ont de la volonté. Qui pourra les arrêter? Qui pourra les arrêter? Personne ne va t'arrêter au nom de Jésus. Alors que tu es décidé de voir le changement dans chaque aspect de ta vie, je vois Dieu opérer des miracles au nom de Jésus. Un nouveau chapitre s'ouvre en ta faveur. Un nouveau chapitre de ta vie s'ouvre dans ta faveur. Tu es béni au nom de Jésus. Ta destinée est libérée. Tout étouffement que tu ressentais en toi est ordonné de partir au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est la première des choses. De naître de nouveau. Recevoir Jésus qui soit ton Seigneur et ton Sauveur. Là où tu es, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Ou soit tu veux redédicacer ta vie à Jésus. Manifeste-toi en levant ta main. Et je vais prier pour toi. Tu es là, que tu sois dehors ou à l'intérieur. Tu veux naître de nouveau. Ou soit te redédicacer ta vie à Jésus. Tu peux te manifester en levant ta main. C'est l'unique ici des sorties. Alléluia. Sans Christ dans ta vie, tu ne peux pas être victorieux. C'est pourquoi ce matin tu dois l'inviter. Qu'il vienne habiter dans ton cœur. Si tu es là, je t'appelle à te manifester pour que je prie pour toi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'ils sont en train d'hésiter. Venez, venez rapidement. Vous qui hésitez, venez, venez s'il vous plaît. Il frappe à ta porte. Tu dois lui ouvrir ta porte. Il est en train de frapper à ta porte. Tu sais que ta relation n'est pas bonne avec Dieu. Ne te laisse pas être victime de l'enfer. Mais choisis de recevoir Jésus. Venez devant si tu es là.
Alléluia. L'ensemble, reprenons nos places, s'il vous plaît. Mama, tchalo boko na yo. Mets ta main droite sur ta poitrine. Dis Seigneur Jésus. D'une voix forte, Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Purifie ma vie. Tu étais mort pour que je sois sauvé. Ce matin, sauve-moi. Que je marche dans ta lumière. Nandimi était au. Je crois que tu obikisinga na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Na bondela pona yo. Zambe na la koma kombo na ina boko ba moyo. Écris son nom dans le livre de vie. Oyonyo sezaki na ba moyo. Laisse que ce qui n'était pas en vie ba moyo. Reprenne la vie. Oyonyo sezaki motongisi ya Satan. Tout ce qui était e bana kosuka du diable. Na tato le takangwami a pambolami a bien libre maintenant. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Félicitations ma sœur. Longonia. Félicitations. Landa maman azana baloba ko yebisa yo. Je suis notre maman, elle a certaines choses à te dire. Alléluia. Amen. Tolingi peto reconnaître baye o baye ko sambela na biso. Nous voulons aussi reconnaître tous celui tous celle qui est venu prier dimanche avec nous pour la chapelle na chapelle de vainqueurs. C'est ta première fois de Oza réponse na mabonde na biso. Tu es la réponse à nos prières. Yangwana esike zami yo. C'est pour celle là. O mimonisa na kotal na kotombola loboko. Tu vas te manifester en levant ta main. Dimanche na yo liboso. C'est ta première fois. Et venir soulève ta main. Tu es à l'extérieur. Tu es yaka. Bible na yo. Avance. Prends tes affaires et avance. Yaka liboso tozo zela yo. Viens ici devant. De l'amour du Seigneur. Oh, je vois en toi la reine de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Donne mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Oh, moi, oui, je t'aime. Na beti ma popo. Na bolingo na yeswe. Nous recevons dans le nom de Jésus. Moto amona ki emoniselo oya bengami na kombo ya évêque David Oyedepo. Le visionnaire de cette commission et c'est l'évêque Oyedepo. Nzambe alobaki na ye. Dieu l'avait dit. Kendo kangola mokili mobima na minyolo la Satan. Libérer le monde de toute emprise du diable. Nanzela leloba ya kontima. Par la parole de foi. Leloba wana nde oyoki biso kote ya na tongo lelo. Cette parole que tu viens d'entendre ce matin. Oyo memami na mosal na bino gilenka. Apporté par votre serviteur, le pasteur Guilain Kalala. Interprété par Yemoua se présenter. Interprété par le frère Michel Kadima. Alléluia. Amen. Liloba oso bo tiango na misala. Cette parole, si vous la mettez na en pratique, en trois mois, mbongwana ekweba na komonisa. Il y aura un changement. Mais na yebi o eza posa motema na bino te. Je ne sais pas le désir de votre cœur. Oyo na kosenga na bino. La seule chose que je vais vous demander, juste loboko na bino na tolo, est de mettre votre main. Tongo senga na lingomba ko telema. Nous allons prier pour que le désir de leur cœur les soit donné. Le Dieu Tout-Puissant, nous venons le Seigneur Yahweh, donne-le le désir de leur cœur. Des livres bénis et l'air. Que ta lumière éclaire le joug du diable. Nous croyons que tu les as sauvés, tu les as délivrés, tu les as bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Longonya bandeko. Félicitations. Nous nous réunissons. Cette semaine, nous aurons trois jours de renforcement spirituel. Nous allons nous rencontrer à partir du mercredi, jeudi, vendredi. Nous gênons à la maison et nous venons ici de 17h à 19h et nous rentrons pour le jeudi, vendredi, idem. Et parmi vous, nous savons qu'il y a aussi des serviteurs et des servantes. Ceux qui veulent servir. Donc, l'église, il y a un guitariste qui est là. Il n'y a pas de guitariste ici. Il n'y a pas de guitare.
Azate. Mutaibi kobeta lindana. Ni mama ni papa. Oh, na ba mama bazo seka ondre. Bino na classe pour mona te bana mbana bazo bazo beta. J'ai jamais vu des femmes jouer. Na ba orchestre miné za ba mama pe bazo beta. Ata système na biso akala wana. So yebiko beta fo le obete la nzambe no. Praise the Lord. Alléluia. Donc oyebiko sa la nzambe. Tu peux venir jouer aux instruments. Tu viens servir Dieu. Vous allez nous excuser aujourd'hui parce qu'on a débordé un peu. Alléluia. Ema. Mais dimanche, nous allons faire un culte et un communion. C'est notre culte. Tu es invité. Viens, dimanche, venir avec nous. Respect aux ala de rigueur. Zambé à Pambola Bino. Bolanda Bandeko. Suivant. Nos bien-aimés. Alors qu'ils sont en train de faire. On acclame très fortement pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et on a une minute tout au vendredi, s'il vous plaît. Ensemble, reprenons nos places juste pour une minute. Et nous profiter pour nous faire des offrandes. Nous profitons de l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore donné leurs offrandes. Pesa offrande. Le panier sur qui encore et tu peux donner ton offrande. Tu peux qui programme. Vous allez combattre ça. Formulaire tu n'as pas encore remis ton formulaire de l'IBPF. Tu es prié d'aller déposer. Le cas secrétariat, ton bookshop, Zongisa. Au bookshop, bah, livre paysan bookshop. Il y a aussi des livres là-bas au bookshop. Autocollant, Ezawana. Bah, bracelet, Ezawana. Bah, livre, Eza. Somba. Il y a des livres, achète. Alléluia. Et ben. Praise the Lord. Alléluia. Et nous le savons tous. IBPF ezobanda le 10 juin. IBPF commence le lundi. Ozongisa kina no te zongisa c'est pas encore remis. Pour nous permettre biso ko sala évaluation rapide. De bien faire l'évaluation. Pour le 10 tobanda cette fois-ci tâtonnement ezalaté. Pour que nous puissions démarrer le 10. So 5 pe ba ingénieur. Nous demandons aussi aux ingénieurs. Ba les hommes de métier. Les hommes de métier. Ba tikala. Nous en a beaucoup taninanga juste c'est ma deuxième culte. Vous avez une rencontre avec le pasteur juste après ce culte. Alléluia. Amen. Nebete o pamba. Je sais que tu es béni. Bitumbanyo samolili esili. Toutes tes batailles ont pris fin. La victoire t'est accordée. Il n'y a plus de larmes dans tes yeux. Aucun diable va dominer sur ta vie. Tiens-toi sur tes pieds, élève ta voix, commence à dire merci. Pour la victoire qui t'est accordée. Rends-lui grâce. Pete alongisio. Nzambe nalola totondio. Seigneur, papa to pamboli monene na yo. Nous bénissons ta grandeur. Parce que nous sommes victorieux. Béni soit. Merci et merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et qui s'amène à combattre. Et la victoire t'est accordée. Obstacle nyon so ezaki na vie na yo. Et comme il t'a tolé na combattre. Il devient un témoignage. Yo béni au nom de toi, Jésus. Toi tu es béni. Libotano eza béni. Ta famille est bénie. Na lomingo oyo témoignage na epesamelio. Ton témoignage t'est accordé. C'est moi, étant donné le mois de jugement. Toute personne qui s'oppose à ta destinée, les dieux ne dépôt pas les juger. Le Dieu ne dépôt pas les juger. Le Dieu ne les dépôt pas les tâter. Toi, tu es béni dans le nom de Jésus. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Pour toujours. Loué soit le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Je suis aussi racheté pour prospérer dans le temps difficile. Félicitations. Amen et amen. Bilenge ya bomoy. Jeunesse vivante. Boyebika na lingala. Eh na bibika na français. J'ai un émergent na lingala. Alléluia. Amen. Bilombe bizali ko telema. Tobo santé beaucoup tane. Il y a le 29. N'oublions pas. Tosomba des abatikens na biso. Tosomba ba badge. Ce 29, nous aurons excursion. Les billets s'élèvent à 15 dollars et les badges à 1000 francs. Pour plus d'informations, dirigez-vous au stand de la jeunesse. We'll be right back.